Bonjour tout le monde. Alors, je suis arrivé donc sur le bord de ce lac hier soir. Enfin non, c'est pas vrai. Comment dire? Voilà, je suis resté au bord de ce lac hier soir. Pratiquement, donc hier il n'y avait pas grand chose qui se passait. Je suis parti à l'heure du spa, de la ville spa. Le matin, et donc j'ai réussi à avoir de la monnaie locale, je me rappelle pas comment ça s'appelle, mais anyway. Et donc voilà, je suis parti, et le voyage était vraiment pas super intéressant, c'était beaucoup de route. À un moment, mon application me disait oui, il faut tourner là-dedans, et puis après, ça va être tout droit. Je tourne, et c'est un parc naturel, donc j'ai dit oh, super, et puis il y a un tourniquet. Et ben j'essaie d'y aller avec mon vélo et ça marche pas et je comprends pas. J'essaie de forcer, j'essaie de différentes manières. Il y a les gens qui me regardent. Bon, d'accord. Et à la fin, je désespère un peu. Je regarde autour et c'est une sortie. On n'a pas le droit de rentrer. C'est seulement une sortie. Pour rentrer, il fallait aller à l'intérieur du bâtiment ou quoi. Et c'est juste après que j'ai vu que les vélos n'étaient pas permis dans la réserve. Donc j'ai dû faire un grand détour, ce qui m'a mis assez longtemps. Enfin, au début, j'ai essayé de faire un détour moi-même, de juste longer le parc naturel, mais c'était n'importe quoi, c'était pas vraiment une route. À un moment, j'étais au milieu de l'herbe, je me suis dit non, là, ça, faut que je fasse de demi-tour et puis que je prenne une grande route. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai fait demi-tour, j'ai pris une grande route et voilà, ça m'a pris beaucoup de temps. Mais sinon, après ça, voilà, et je me suis dit, j'ai pris à manger. Et je me suis dit, une fois que j'arrive au lac, dès que je peux manger à côté du lac, je mange. Et c'est ce que j'ai fait. Et puis après, le reste du temps, c'était vraiment longer le lac. Le seul problème, c'est que ça a l'air beau comme ça en le disant. Mais vraiment, c'est assez développé. Ce qui veut dire qu'il y a le lac. Après, il y a une rangée de maisons au bord du lac. Comme ça, ils ont bien le bord du lac, eux. Et puis après, la route cyclable, elle est... Après ça, parce que sur la route cyclable, c'est rare qu'on voit le lac, ce qui n'est pas idéal, mais bon. Donc voilà, c'est un peu plate, qu'il n'y a pas grand chose à voir. Bon, c'est bien parce que les montées et les descentes, il n'y en a pas. C'est juste plat, mais c'est tout. Et à la fin, donc, je suis arrivé à peu près au bord du lac, au bout du lac. Là, je crois qu'il me reste une heure à faire au bord, et c'est là où j'ai regardé pour un camping, mais il y a beaucoup de campings au bord du lac, mais ils sont tous fermés, et donc j'ai re-regardé Trivago, et j'ai trouvé un hôtel pour 20 euros, pas super l'hôtel, mais c'est tout ce que je voulais, moi c'est un lit et que ce soit enfermé, donc ça allait. Non, sinon voilà, c'est une vidéo courte parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose qui se passait. Aujourd'hui, je devrais arriver à Budapest. Donc j'ai 115 km à faire jusqu'à Budapest. Ah oui, et ce matin, je me disais, mais c'est bizarre, je me suis réveillé à 5h et j'arrivais pas à redormir. Et c'est là où c'est plus tard, quand il était 8h, je me dis, bon, là je vais me lever et puis tiens, je vais commencer tôt ma journée. Et je regarde que là, il y a eu un changement de temps. À cause de l'hiver, et donc vraiment non, je me suis réveillé à 9h quoi, j'ai commencé mon voyage, 8h30 quand même, c'est plus tôt, donc j'ai commencé, moi je pensais tiens je vais commencer mon voyage à 8h, ce sera super, mais vraiment je l'ai commencé à 9h, donc c'est pas si bizarre que ça, mais anyway, donc voilà, ce soir, j'espère Budapest, à plus tard.